Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec ma fille. Comme Attends, toujours. ouais. Je vais essayer de mettre des chaussures hautes Oui, parce plus que grande que moi. c'est ça. Et pourtant, j'ai rien, hein. J'ai juste Voilà. mes chaussons. Et oui, mais t'es plus grande que moi. Voilà, et ça va Ah. mieux. On revient pour une vidéo Shein, en partenariat avec Shein. Donc, on m'a recontacté pour choisir 10 articles. Alors. Il y a 10 articles du partenariat et moi j'ai commandé 10 articles de mon côté. Voilà, parce que au moment de passer la commande, ma fille n'était pas à la maison, il fallait absolument que je choisisse les articles. Donc je lui ai dit, bah, écoute, tu commandes 10 articles de ton côté, donc c'est elle qui les a choisis. Donc comme ça, vous pourrez voir la qualité des produits. Et moi, j'ai choisi 10 articles d'hiver. Voilà, comme il a fait froid tout l'été, j'avais envie de cocooning. Ouais, et ma fille a choisi des très jolies choses aussi. J'ai un code promo pour vous, je vous le mettrai, je crois que c'est Gracia 15, mais je vous le mettrai en barre d'infos avec le lien de tous les produits. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie de commander sur le site, utilisez mon code, ça me fera plaisir. Alors, on attaque tout de suite. J'ai commandé un article, premier article. J'ai commandé, ma fille me dit, oh là là, c'est trop beau. Ben oui, elle me dit, oh mais je le veux. Ben non. Elle m'a dit, il est trop long. Et je lui dis, bah, tu sais, Non, moi, je suis plus grande que non, toi. non, il est long, mais c'est exactement ce que je voulais. La couleur est magnifique. Un gilet très long, vous voyez. Il est super beau. C'est ce gilet. Oh là. Je pensais pas que ça. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose. Les mésaventures de Gracia M. Maman, ça coupe pas. Voilà, je vous présentais donc ce très joli gilet qui est magnifique, qui est très long. Et normalement, il y a une ceinture. Je l'avais, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la ceinture, mais il y a une ceinture normalement. Ma fille m'a dit qu'il y en avait une et il y en avait une. Alors, je vous montre, il est comme ça. Il est. Attention. Je ne suis pas bourrée. L'incident, on dirait. Le gilet est comme ça. Et la couleur est superbe, hein, vraiment. Donc pour l'automne, je trouve que c'est parfait, c'est super. Voilà, j'enlève parce que en fait je l'ai lavé et il est mouillé encore. Voilà, je vous fais ma fille. Bah moi j'ai voulu tester. J'ai voulu tester des chaussures, des bottes que je voyais souvent sur le site. Et en fait, c'est la première fois que je commande des chaussures dessus. En Chine, moi je commande depuis longtemps. Et je vais juste montrer parce que c'est bien emballé dedans. Enfin, c'est tout dans les petits sachets et tout. Ah oui, c'était super bien. Oh, elle est vivante. C'était super bien emballé. Ouais. Et elles sont magnifiques les bottes. J'espère vraiment que c'est mon âge. J'ai l'impression qu'elles sont trop petites. Tu veux pas regarder la caméra quand tu parles? Attends. Ah, elles sont trop belles. C'est des cuissardes. Ouais, et j'en avais pas. Et depuis le temps que je vois les cuissardes, ça me tape à l'œil. Ah. Il faudrait que tu les essayes. Ben, je vais les essayer. Ouais. Et tu vas les essayer avec le pantalon, ça peut être évident. Hein. Non, mais après, j'aurai les. Ah oui, avec un ensemble. Ouais. Je les montrerai tout à l'heure quand je porterai un. C'est quoi, tu as pris comme taille? Ben, je pense qu'elles sont trop petites. J'ai pris un 38. Ouais, il faut regarder la taille pour voir si la taille est bonne. Alors, moi, j'ai commandé ce. Un petit ensemble, je voulais des produits un petit peu chauds pour la saison. Aujourd'hui, il fait super beau, mais bon. Donc, c'est un ensemble, un pantalon en long. Voilà, c'est pas forcément de la laine, mais il se présente comme ça. Il est très joli, franchement, en maille plutôt. Un pantalon en maille, la couleur, c'est du beige. Et vous aviez la petite veste assortie. Et de dessus, il y avait aussi une ceinture. Là, j'ai trouvé la ceinture. Elle est là, la ceinture, vous Après, il voyez. m'a envoyé en double. Voilà. Et il me l'a envoyé en double. Donc, ma fille l'a récupéré. Vous voyez, C'est plus la bonne taille. j'en ai deux. J'en ai deux. Hop, j'ai deux ensembles. Donc, ma fille va récupérer l'autre. Et parce qu'elle le trouve joli aussi. Et c'est vrai Je que vais voir si ça me va. pour l'hiver, ben sinon, je les garderai les deux. En tout cas, je le trouve très joli. Je vais le porter. Et puis, je vous reviens tout à l'heure. On va vous présenter un nouvel article. Alors, je vais présenter deux choses. Donc, je vais le porter et j'arrive. Alors, j'ai deux choses à présenter parce que je voulais faire un ensemble. C'est pas repassé par contre. Alors, là, il y a cette chemise. Bon, elle n'est pas repassée du coup, c'est pas très simple. C'est une robe chemise. Elle est en trois coloris. Elle est en beige, noir ou kaki, il me semble. Ouais. Et j'hésitais avec la beige, je voulais prendre la beige avec les cuissardes en marron, mais il n'y en avait pas en marron.
Enfin bref, du coup j'ai pris la robe là et avec j'ai pris une ceinture qui est super jolie, asymétrique. Oui, elle est belle la ceinture. Et pareil, en fissature asymétrique qui va monter avec la chemise. Donc on va tester. Alors, je vous montre, j'adore. Donc je me suis mis un petit t-shirt et alors, qu'est-ce qu'on est bien, le pantalon, il est hyper agréable, c'est pile ma taille. La couleur est très jolie et franchement, alors je voulais des tenues pour être bien au chaud à la maison et même pour sortir, franchement on peut sortir sans problème avec, hein. C'est très confortable. C'est quoi quand tu fermes avec la ceinture? Alors quand on ferme avec la ceinture, oh, je ne vais pas forcément y serrer, mais y fermer, mais moi, voilà. C'est trop mignon, je trouve ça trop mignon, on est trop bien dedans, oh là là, c'est super joli. Bah, si ça va pas ma fille, bah, je garderai les deux. Voilà, à toi. Je vais donc ensuite. Donc là, j'en avais reçu. Oh, c'est le bordel. Ah oui, c'est le bordel. Une fois, j'avais envie d'essayer de prendre une petite nuisette, un petit ensemble. Alors, j'ai reçu celui-là, j'ai choisi celui-là. Il est super joli. Donc, vous aviez la petite nuisette qui se présente comme ça, qui est satinée avec de la dentelle. Je trouve ça magnifique. Moi, j'ai tout pris en taille S. J'ai même pas réfléchi parce qu'à chaque fois que je commande toujours en S et c'est ma taille. Donc là, c'est pareil, j'ai pris du S. Et il y avait la petite chemise de nuit qui... Enfin, comment s'appelle ça, Justine? Une robe de chambre. Voilà, une robe de chambre avec de la dentelle aux manches. Moi j'adore ça pour le soir, vous voyez, avant d'aller me coucher, c'est super joli. Donc je vais essayer ça et je vous laisse avec ma fille. Je suis plus rapide que ma fille. Alors voilà, je vous montre la petite, alors elle est froissée un petit peu là, je suis désolée, ça se froisse assez facilement, mais bon, regardez comme c'est joli, c'est magnifique, très 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 joli. Alors là je l'ai resserré au maximum, mais je l'ai un peu trop serré. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Voilà. Et voilà. Il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est super joli. J'aime beaucoup. Et je vous montre. Il y a un chien qui est dans notre terrain là. Et du coup, les chiens sont dans tous leurs états. Regardez comme c'est beau. C'est très très beau. Vous voyez, c'est parfait, nickel. Regardez, la dentelle est très belle. Les manches se présentent comme ça. C'est super joli. Je trouve ça très élégant, très féminin. Moi, j'adore. Ensuite. Alors, donc pour commencer, alors c'est pile ma taille. Je suis entre 37 et 38. Je suis du 37,5. Et j'ai pris du 38 pour être sûre. Et c'est pile la bonne taille. Donc, parfait. Elles sont super confortables à avoir après à marcher avec. Mais elles sont très, très confortables. Et en plus de ça, le petit lien derrière pour serrer, pour s'adapter à la largeur de nos cuisses. Donc ça s'adapte en fait à toute morphologie en fait. Hein. Donc ça c'est cool. Et elles sont super jolies, elles sont pas trop hautes. Voilà. Après donc la chemise, la robe, très mignonne. On est là, pile à la bonne longueur. Elle est déjà ceinturée à la taille. Hein. Elle est plus serrée à la taille. Donc là moi j'ai rajouté une ceinture par-dessus, mais elle est ceinturée. Les épaules comme ça bouffantes. Et la ceinture, bah, qui est très jolie en fait. J'aime beaucoup ce style. Et ça s'attache comment ça? Avec des boutons? Ouais. Ouais. Et voilà. Et ouais. T'as pris de la taille 36. Ah, j'adore les manches. Ouais. Elle est très belle. Mmh. Alors, super. Alors, ensuite, j'ai commandé un autre ensemble. Donc là, c'est plutôt une couleur top. Alors... J'ai commandé toujours pour la maison, pour être bien à la maison, toujours en taille S. Donc ça se présente comme ça. C'est un pantalon large en bas, vous voyez. Et moi j'adore ces produits-là pour... j'adore ces produits pour l'hiver, vous voyez. Il est très joli. Donc là c'est le bas. Et pour le haut, c'est un petit haut qui se présente comme ça. Voilà. Donc écoutez, je vais essayer ça et je vous reviens. Je vous laisse avec ma fille peut-être. Alors, toujours un petit ensemble d'intérieur. Donc là, un produit, alors, je ne sais pas si c'est la taille S parce que c'est un petit peu grand par contre. Au niveau des manches, elles sont un petit peu longues. Mais bon, ça va.
Le petit haut se présente comme ça. C'est toujours une tenue qui est sympa, qui est assez chaude hein, pour être un petit peu grand. Mais bon, ça passe encore. Je trouve le... Bon, après, moi, j'aime bien quand c'est un peu large aussi. Vous voyez les motifs, comme ils sont jolis. Et le pantalon se présente comme ça. Bah, c'est pas les motifs, en fait, c'est une sorte de tissage qui est dessus. Ouais, c'est le tissage qui est beau. Et puis, ah, d'accord, regardez. Ah, j'avais pas fait gaffe. Vous voyez, c'est sur les côtés, c'est ouvert. C'est un peu froissé, je suis désolée. Et donc, voilà, comment se présente l'ensemble. Je trouve ça trop joli. Pour être à la maison et pour aller, bon, même pour sortir, hein, franchement. J'arrive à rien faire. Voilà, c'est un petit survêtement, en fait. Hein. Hop, trop beau. J'aime beaucoup. Et vous avez l'épaule un petit peu dénudée. C'est très joli. Je vous laisse. Et puis, je vais aider ma fille parce qu'elle a un souci avec son petit ensemble. À tout de suite. Bon, du coup, j'ai retiré la ceinture. Ça fait comme ça sans la ceinture. Et là, j'ai cette petite blouse qui est super sympa. Je la trouve trop jolie. Elle a l'air un peu transparente, mais pas tant que ça. Oh non. Et il y a un petit bijou là ici au col qu'il faut accrocher soi-même. Par contre, c'est une chaîne qu'on peut retirer après pour le lavage. Donc une petite blouse. Et je vais la porter avec une jupe longue. Il y a la ceinture qui est avec. Voilà, une jupe bleue simple et longue et plutôt évasée avec une ceinture à taille. Voilà, je vais essayer ça. Alors, donc pour la blouse, elle est super bien. Elle est pas transparente du coup. La matière est très agréable, elle est toute douce. Donc la chaîne c'est super qu'on puisse l'enlever et tout. Les boutons sont en perles, mais par contre c'est de la perle en plastique. Ah oui. Franchement, la blouse est très jolie. Ah non, mais franchement, elle est trop belle. Après, pour la jupe, j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, elle est magnifique. Il y a des poches. Ah, magnifique. Et la ceinture, voilà. Très jolie. Trop belle. Et puis l'ensemble est très mignon. C'est magnifique. T'as tout essayé, toi? Non, j'ai pas tout essayé. Ah. Je me suis pris un petit pull aussi qui se présente comme ça, qui est assez oversize. C'est pareil, encore une fois, vous voyez, pour sortir le soir, voilà, quand il fait un peu frais. Donc, je vais le porter avec... Bah, écoutez, je vais le porter avec ce pantalon, ouais. Et je vous laisse avec ma fille. Encore une jupe. Alors là, par contre, j'ai pris une collection spéciale, décidément. Elle a fait tomber. C'est une collab avec Farah, je crois. Donc, vous savez, il y a des collaborations avec des designers. Et j'avais pas fait gaffe. Et du coup, la jupe est magnifique. J'avais super peur en la prenant. Je me suis dit, ça va être fleuri et tout, un gros risque. Mais en fait, elle est super belle. Et la matière est incroyable, en fait. C'est une matière qui est satinée. Non, c'est pas du vinyle. Ouais, non. C'est un tissu satiné. La qualité est dingue. Alors, aucun fil qui dépasse. Ah non, c'est super bien cousu. Elle est magnifique. Le tissu est très épais. C'est super joli. Le motif est magnifique. Je rappelle juste mes tailles. Je fais 1m60 et je fais 48 kg, je crois. Et j'ai une taille très très fine. C'est pour un refugié, si jamais elle se compare à moi. Et je prends tout le temps du US. Et ben, elle est très bien, ce petit chemisier en plus. Les couleurs, voilà. Alors moi, je ne sais pas si on voit, mais je n'ai pas mis tout en gorge. Donc si vous voyez quelque chose, j'en suis désolée. Bon, voilà, le petit... Alors il est un peu... il est assez... Bon, c'est les manches sont assez larges. Pourquoi pas. Pas avec ce pantalon, mais bon, voilà, pour... il est mignon, hein, j'aime beaucoup la petite dentelle, le col en V. Attendez, je ne sais pas si on voit, parce que je n'ai pas vu si c'est gorge. Il est un petit peu large pour moi quand même, mais bon, il est joli. J'aime bien les motifs, il est assez joli. Je vais vous laisser avec ma fille. Elle est magnifique. Beau. Alors, voilà, j'ai beaucoup maigri, donc elle est encore très large, mais si je reste aussi fine, je ferai un point, ou sinon je reste comme ça, un peu taille basse, quoi. Elle est très belle, hein. Ouais. Franchement, très jolie. Ah, elle est magnifique. Non, mais avec le haut, l'ensemble va super bien. Ce serait plus beau un peu plus haut comme ça. J'ai envie d'essayer. Tu crois que je peux essayer? Bien sûr que tu peux le faire. Fais voir, je vais essayer. Elle est magnifique. Ouais, attends, je suis trop amoureuse de la jupe. Ah ouais. Tu vois, elle me vole et tout. J'ai l'impression d'être une princesse avec. Trop belle. Et
Ouais, je vais peut-être faire un point. Où, finalement, sinon je mets une épingle à nourrice quand j'ai vraiment la flemme. Ou un petit élastique à l'intérieur, à voir ce que je peux faire. Bon, elle va l'essayer. Ah non, mais en fait, en attendant qu'elle va l'essayer, moi, je vais présenter un autre article. Alors, j'ai pris une autre robe, pareil, je pense que c'est d'un créateur. Puisqu'il y a l'étiquette de Musol. Voilà, et c'est une robe super jolie, la couleur est magnifique. Elle est magnifique. La couleur, elle est superbe. Le violet, c'est un violet, mais un beau violet, bien vif. C'est franchement, je suis surprise. La qualité est bonne. La qualité est super. C'est un petit peu stretch avec un petit volant là. Ouh là là, c'est trop beau. Oh là, ma fille a fait de très belles sélections. Voyez le petit gilet là, le petit. Ah, le il y a un petit... crochet à la jupe derrière. Ah, je vais essayer la jupe moi. Ouais. Voyez le petit haut pour sortir le soir. Hop, je le mets comme ça là. Et puis, même s'il est un petit peu large, c'est pas grave. Voilà. J'ai bien aimé les motifs en mais fait. Mais c'est beau hein, les plus larges. Hein. Alors, je vais essayer la jupe de ma fille. Elle te va mieux à. Alors au niveau de la taille, elle me va mieux parce que moi je fais un 36 et elle fait plutôt un XS, vous voyez. Mais bon, elle, ça lui allait. En plus avec le petit haut qu'elle portait, je verrais plus un petit haut noir moi, mais avec le petit haut qu'elle portait, enfin l'ensemble des deux, elle est super bien. Voilà. Donc moi, ça se présente comme ça. Je suis moins jolie. Mais non. Voilà. Et je la trouve. C'est pas le bon haut. Bon, c'est pas. Je porte pas le bon haut. Hein, mais sinon, voyez ce que ça donne. Trop beau. J'aime beaucoup cette petite robe. Elle est très belle. Ouh là là. Mais décidément. Ouh là là. Toujours avec les bottes, les cuissardes. Ouais. Ah, bon, je vous laisse avec ma fille. Hein. Ah, c'est trop beau. Là, yes. Ouais, S. Oh, elle est trop belle cette robe. Elle est magnifique. Ah. Et bon, j'ai une cuissarde qui tombe parce que je l'ai pas serrée, je l'ai serrée qu'une. Oh là là, elle est magnifique la robe, franchement trop belle. La qualité est incroyable aussi, on me rappelle. Ça se fait avec une fermeture derrière, c'est haut et fou. J'adore. Ah ouais, là franchement, trop belle. Magnifique. Là, je suis époustouflée. Après, j'en ai une autre robe à essayer. Là, t'as fait un super choix. Hein. Mais ça faisait longtemps que c'était dans mes favoris. Elle est magnifique. Alors, celle-ci est très très belle aussi. Donc là, il y a plein de couleurs dessus. Donc elle est comme ça, devant, c'est croisé. Et voilà, c'est une robe pareille, mouvante, avec trois couleurs. Voilà la jupe. Enfin, la robe, je vais essayer. Alors, moi, j'ai flashé sur cette robe qui est superbe. Elle est très très belle. Elle se présente comme ça, avec les épaules dénudées, comme ça, là, vous voyez. Manches longues, en maille. Elle est trop belle. Voilà. Super jolie. Comme ça. Et j'aime beaucoup les. Voilà, le fait que ce soit dénudé comme ça, là. C'est beau, hein, Justine? Elle est super jolie. Hein. Après, bon, voilà, vous pouvez en mettre qu'un, par exemple, vous voyez, super jolie. Et qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai retrouvé ma ceinture. Elle était là. La ceinture de mon petit gilet, elle est là. Et je ne vous l'ai pas dit, mais c'est livré dans des petits sachets, comme ça, là, vous voyez. Et il reste comme ça chez moi. Un article. Donc là, j'ai commandé cette petite robe là. Elle est trop belle, franchement. Par contre, elle est un peu de transparente. Elle se présente comme ça. Les manches sont transparentes. Les manches sont. Si, un petit peu quand même là. Tu vois, c'est un peu. Voilà, donc je vais l'essayer. Là, c'est plutôt pour tout de suite, pour cette saison là. Elle est très jolie aussi. Donc je vais l'essayer et je vous laisse avec ma fille qui s'est encore trouvée une pépite. Alors, attends, je vais t'aider. Alors, faut pas mettre de soutien-gorge avec. Par contre, elle sert vachement. C'est une matière qui est très extensible, mais je pense que c'est gainant. Ah oui, oui, oui. Et du coup, je suis super serrée dans mes escaliers, je vais être comme ça. Ça fait vraiment le cliché de la secrétaire dans les films, c'est qui arrive.
Monsieur, je vous ai un rendez-vous. Bah, c'est ça. Mais elle est super belle. Elle est magnifique. Le col est incroyable. Comme ça, le col croisé devant. Bon, pas mettre de soutien-gorge parce que les bretelles, c'est pas joli. Par contre, ça vole un peu là. Ça, ça baille un peu. Ouais, un petit peu. Ouais. Je me demande si je l'ai pas mal mise, c'est pour ça. Mais sinon, c'est, non, c'est ça. Bon, c'est très joli le drapé là. Oui, Michel. Ouais. Le petit drapé, ceinture. Et tout le haut, c'est pas du tout serrant. Mais là, là, à partir de là, les cuisses, tout serre. Après, elle est très belle. Elle est super. Par contre, j'aurais peut-être pas mis un quoique si. C'est une taille S aussi? Ouais, c'est du S. Ah ouais. C'est quoi, il y a une couture derrière? Non. Si, il y a une couture. Oui, il y a une couture, oui, mais elle n'est pas ouverte derrière. Non, c'est dommage. Ouais. Ouais, non, mais c'est très très beau. Ils auraient peut-être dû faire une ouverture en bas quand même, une fente. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, voilà. Là, elle ne peut pas marcher. Mais elle est très belle. Voilà. Voilà. Voilà pour mon dernier article. Donc là, c'est une robe avec des manches longues, blanches. Alors, vous voyez, elle est un petit peu courte, mais je la trouve un petit peu courte, moi. Oh, j'adore. Ma fille adore. Bon, alors, elle est très jolie, hein. Moi, je la trouve très, très belle aussi, vous voyez. Mais je ne sais pas parce que je la trouve un peu courte. Donc, si je ne la veux pas, ma fille la mettra. On va voir. Mais je la trouve très jolie, par contre. Elle est très, très belle. C'est juste que j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit... Après, avec des collants, ça... Elle n'est pas courte. Comment ? Elle n'est pas courte. Ma fille me dit qu'elle n'est pas courte. C'est juste que... Ah, j'aurais préféré qu'il y ait ça en plus. J'aurais préféré qu'il y ait 10 cm de plus, mais bon. Elle est très belle quand même, hein. Elle est très jolie. J'aime beaucoup le petit nœud devant, là. Franchement, elle est très jolie. Voilà. Elle est très belle. Et ma fille, on a 10 articles. Combien ? 2. Ah, il nous reste 2 articles. Moi, j'avais commandé un produit en plus, mais je pense qu'il va être indisponible. Et donc voilà pour ma vidéo Shein. Ah, ma fille a perdu un article. Il y a 2 accessoires. Attends, je vais peut-être monter un peu là du coup. Je peux t'asseoir. Ok, maintenant j'ai 2 accessoires. Donc j'avais pris un ruban pour mes cheveux parce que j'adore ça. Il y a marqué France, Paris, c'est très mon style. Et l'autre côté, c'est comme ça, c'est très artistique, j'adore. Ça, c'est pour mettre, quand je veux m'attacher les cheveux, j'y attache dans les cheveux, hop. Dans une queue de cheval avec un petit nœud, et c'est super joli. Voilà, c'est juste pour me faire un petit nœud dans les cheveux derrière. Voilà, c'est le petit côté mignon. Et là, après, pour finir, j'ai pris une ceinture. Parce que je voyais beaucoup de personnes qui portaient ça par-dessus un manteau. Du coup, j'ai apporté un manteau de ma maman. Je l'ai piqué. Ah. Sur un manteau noir, ça par-dessus. Et je trouve ça super joli, en fait. Donc, je vais voir si ça rend bien avec le manteau. Bah, tu vas essayer. Donc, ça, soit on y porte par-dessus. C'est bien, on peut tout régler un peu au niveau de la longueur. Par contre, tu dois pouvoir y poser aussi au niveau de... Avec une chemise blanche. Ça par-dessus, oui, ça va être super joli, hein. Bon, déjà, on peut tout régler au niveau des longueurs et tout, ouais. Donc ça, c'est un bon point. J'y verrai bien avec... même avec une... Alors, une jupe droite en cuir, moi j'en ai une en cuir, avec un chemisier blanc, et tu poses ça par-dessus, ça va être magnifique. Ah oui, mais attends, mais ça tient pas sur les épaules, là. Non, parce que ça va pas au niveau de la taille. Faut que j'essaye par-dessus le manteau, comme je voulais essayer. Bon. Alors, peut-être pas par-dessus ce manteau, mais c'est vrai que par-dessus un manteau noir, j'aime bien. Comme ça, l'effet qu'il y ait une ceinture. Ah, c'est sympa. Hein. Ouais. Tu vois, ça va un peu militaire, mais chic, là. Ouais. C'est pour ça que moi, c'est ce style je que comprends je veux, ce que tu veux chercher. Dire, ouais. Très sympa. Mais bon, après, elle ne me va pas trop au niveau de la taille, elle est un peu grande. Et si t'as... je te la prends. Ouais, sinon, il faut que je fasse des trous en plus. Parce qu'il y a un détail. Bon, ça y est? Ma fille va essayer cette robe et puis comme ça vous verrez ce que ça donne sur elle. Bah écoutez, moi je l'aime bien, elle est jolie. Ouais, elle est très belle. Ouais. Avec les petites manches, mais après moi j'aime bien quand c'est bien ceinturé, bien serré à la taille. Moi j'aime bien. Ouais. Bon ben voilà. Voilà, nous avons fini pour. Nous avons terminé pour notre haul Shein. Et ben écoutez, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Et voir si ça vous intéresse un haul Shein, mais
de produits de maison. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on vous fait de gros bisous. N'oubliez pas, vous avez un code promo si vous avez envie de commander sur le site. Vous avez le lien de tous les produits en barre d'infos. De cette commande, je ne sais pas s'il y aura quelque chose. Ouais, non, parce que là, franchement, moi, tout ce que j'ai eu, c'est ce que j'avais envie d'avoir. Après, peut-être le pull qui est un petit peu large, mais je vais le porter quand même pour sortir le soir. Hop, on se le met sur les petites épaules, c'est super joli. Et j'aime bien le décolleté, donc non, je le garderai aussi. Donc là, là c'est sans faute. Je continue cette vidéo. J'avais oublié de vous prendre, de vous montrer deux autres. Enfin, il y a un produit que j'ai reçu ce matin. Hier, je vous ai dit que j'avais aussi commandé des petits, un autre produit qui était disponible. Et en fait, ce sont des petits chaussons comme ça. Ils se présentent comme ça. Voilà. Et j'ai choisi la taille 35. Je les ai reçus tout à l'heure par le facteur. C'est pile poil ma taille. La prochaine fois, je pense que je prendrai du 36 parce que en fait je pense que je dois faire du 35,5 sur Shein, mais elles sont très, je vais vous montrer ce que ça donne par terre. Pardon ma tienne, vous voyez, elles se présentent comme ça, elles sont compensées et elles sont très confortables, elles sont chaudes pour tout de suite là, elles sont, vous voyez, il y a de la moumoute à l'intérieur là, du coup elles sont très chaudes et puis elles sont très confortables. Voilà, super, je suis très contente. Et puis, j'ai un dernier article. Donc, c'est un ensemble, encore une fois, qui est très joli, qui est marron. Alors, le petit pull se présente comme ça, en col V. C'est un petit ensemble, encore une fois. J'avais envie d'avoir des petites tenues pour cette saison-là, parce qu'aujourd'hui, il fait moins beau. Hier, il faisait beau, mais là, aujourd'hui, voilà. Ça ira très bien, ça, vous voyez, c'est très joli. Et vous aviez la petite jupe, enfin la jupe droite, qui va, le tube en fait, qui va avec. Voilà, vous voyez, elle est ouverte derrière. Donc je vais la porter, je vais l'essayer, je vais vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. La robe est très jolie. Je vais essayer de vous montrer correctement. Vous voyez, alors, donc le petit haut se présente comme ça. On peut même rajouter une petite ceinture. Voilà, donc on peut rajouter une petite ceinture si on veut, il n'y a pas de souci. Elle est très belle. Elle se présente comme ça. Voilà, très très jolie. Elle se présente comme ça, avec les petits chaussons qui sont juste là. Vous voyez, petite tenue bien chaude pour la maison ou pour dehors. Franchement, j'ai bien envie de la prendre pour sortir avec... parce qu'il ne fait pas super chaud aujourd'hui. Voilà pour la tenue. Alors écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Et tous les liens seront bien sûr en barre d'infos. Vous aurez aussi les photos des articles là, sur le côté, portées par une femme un peu plus fine que moi. Bon, bref. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bisous. Ciao. Voilà, bon, allez, bah, je vous fais des gros bisous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé, et à bientôt, au revoir, ciao.